Bonjour les trekkers, aujourd'hui je vous parle du surpantalon de montagne, le Trek 500 de chez Forclaz, un pantalon que j'ai pu tester à de nombreuses reprises dans des bonnes petites conditions de pluie et qui m'a donné entière satisfaction. C'est parti! Alors, au niveau de ce surpantalon Trek 500, je suis vraiment ravi. J'ai 100% de bons retours par rapport à l'usage que j'en ai eu. Il est vraiment super pratique, il est hyper imperméable. Alors, il est composé de deux types de tissus. Comme d'habitude, je vous renvoie en commentaire sur la notice technique du fabricant. Parce que je vais pas vous abreuver de données, aller chercher directement, ce serait beaucoup plus simple. Mais en tout cas, voilà, il y a deux types de tissus. Il y a un tissu qui est très résistant au niveau des genoux, de l'entrejambe, du bas du corps, qui est vraiment super pratique dès que vous passez dans des petits feuillages, des ronces ou même pour vous asseoir. Il y a un tissu qui est beaucoup plus léger, agréable au toucher et respirant, au niveau du haut du corps. Donc ça, c'est top. Les deux tissus sont résistants à 20 000 mm ou 20 et 25 000 mm de colonne d'eau. Donc pour vous dire que c'est méga imperméable, j'ai vraiment eu aucun souci sur ma traversée du scellé sous la pluie. Donc c'est pour ça aussi que je vous fais ce retour, parce que je l'ai vraiment testé dans des très bonnes conditions. Il est vraiment top. On a un ajustement au niveau de la taille avec un tank-cap pour fermer le voilà le haut du corps et bien l'ajuster. Au niveau du côté, on a de chaque côté une fermeture éclair qui va de bas en haut, donc du côté gauche et du côté droit. Ce que moi j'ai trouvé vraiment génial, c'est qu'au niveau des fermetures éclair, que ce soit en haut ou en bas, à chaque fois vous avez un petit clips de protection, d'accord, qui va faire en sorte que si jamais la fermeture éclair, on sait tous qu'au bout de 5-6 ans d'usage, parfois la fermeture éclair a tendance à pouvoir descendre facilement. Là, elle est toujours maintenue. De la même façon, vous pouvez très bien ouvrir en partie votre pantalon pour aérer, pour aller chercher des choses dans les poches de votre pantalon, tout en ayant le pantalon qui reste fermé grâce à cette petite protection. Vous pouvez l'ouvrir complètement, d'accord, du haut vers le bas. Et vous pouvez faire exactement la même chose, donc toujours cette petite protection ici en bas, du bas vers le haut, d'accord? Ça, c'est super intéressant parce que j'ai déjà vu des trekkers dire dans leur retour d'expérience que leurs pantalons, souvent des pantalons super légers, n'avaient pas de fermeture éclair et donc c'était très très galère lorsqu'ils voulaient mettre leur surpantalon sur des chaussures de pluie, enfin les chaussures de marche, et donc ils devaient enlever leurs chaussures de marche pour pouvoir mettre le surpantalon. Ici, c'est super simple, et en fait c'est tellement simple que vous pouvez très bien ne rien enlever lorsque vous voulez mettre votre surpantalon, et surtout vous n'êtes même pas obligé de soit faire l'équilibriste pour vous mettre sur un pied, soit vous asseoir pour mettre le surpantalon, puisque lorsque vous remontez complètement votre surpantalon, vous pouvez très bien l'ouvrir entièrement. Alors vous pouvez l'ouvrir du côté gauche, du côté droit. Quand vous l'avez ouvert des deux côtés, ben vous pouvez tout en étant debout l'installer, le clipser et ensuite mettre les fermetures éclair. Donc ça c'est vraiment un côté mais qui est méga pratique, à la fois pour l'aération, pour chercher dans les poches, pour mettre des chaussures ou simplement vous êtes en train de marcher, il commence à pleuvoir, vous enfilez le surpantalon tout en restant debout, sans enlever votre sac à dos ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment le truc tip top. J'ai pas énormément de choses à dire ensuite là-dessus, parce que ça c'était vraiment le gros point positif. Il fait 400 grammes. Moi je l'ai pesé 400, 402, 403 grammes. Le fournisseur l'annonce à 450 grammes. Voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Alors en effet, il y a des pantalons qui doivent être beaucoup plus, des surpantalons qui doivent être beaucoup plus légers, à 200 grammes, voire moins. Mais je pense pas qu'ils protègent autant, je pense pas qu'ils aient cette technicité qui est vraiment géniale. Au niveau du bas du pantalon, un truc que j'ai adoré aussi, c'est à la fois vous avez un petit clips qui va vous permettre de venir attacher le bas du pantalon au niveau de votre chaussure pour pas que ça se balade, et également des petits joints en silicone qui vont permettre d'accrocher un petit peu la chaussure, et là votre pantalon reste vraiment très très bien en place, donc ça c'est top. Le seul tout petit bémol que je pourrais donner sur ce surpantalon, c'est son prix, puisqu'il est à 100 euros.
Alors 100 € pour un surpantalon, c'est pas cher du tout. Enfin, c'est vraiment dans la norme. Le seul truc, c'est que souvent, quand on achète du Forclaz, on s'attend à ce qu'on ait des prix qui soient pas très très élevés. Alors sincèrement, je pense que chez la concurrence, vous allez même mettre facilement 2 fois plus cher pour avoir la même technicité. 100 €, ça peut paraître élevé. C'est un chiffre qui est quand même assez élevé. Mais par contre, c'est un produit que vous allez garder très longtemps. Quand je suis parti en randonnée, j'avais déjà un surpantalon, j'avais un Kaoé classique. D'une part, je pense qu'avec le temps, il protégeait plus aussi bien. Il n'avait pas cette technicité. Et surtout, c'est un pantalon que j'avais dû acheter il y a une trentaine d'années. Et quand j'ai voulu acheter ce pantalon à 100 €, je me suis dit, écoute Pierre, un pantalon qui peut durer 30 ans, 100 € pour 30 ans, c'est vraiment pas si cher que ça. Donc voilà, là j'ai investi dans ce pantalon à 100 €. Je suis pas du style à mettre 100 € dans un pantalon si c'est pas pertinent ou dans un produit. Ici, je pense que ça vaut vraiment le coup. Il y a une technicité, il y a vraiment un gros plus et je l'ai testé, il est top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en demanderez encore. Voilà, à très bientôt. Au revoir.